Tu ne savais pas qui appeler. You didn't know who to run to. Tu n'avais personne chez qui tu pouvais aller. But Jesus was passing by. Mais Jésus-Christ passait par là. Jesus was beside you. Il était à tes côtés. You were sleeping. Tu dormais. You heard some bad news. Tu entendis une très mauvaise nouvelle. And then you were asking yourself questions. Et tu t'es posé des questions. And those questions were not having answers. Et ces questions-là n'avaient pas de réponses. Have you ever found yourself in a situation where you have questions but you don't have answers? T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu as des questions sans réponse? You were in that situation. Tu étais dans cette situation-là. And Jesus was by. Et Jésus-Christ était par là. He intervened. Il intervint. And Lord, and when you look back, et quand tu regardes en arrière, at the hole you were in, dans le puits ou bien le trou où tu étais, you can only say, tu ne peux que dire, Jesus, Jésus-Christ, you did it for me. Tu l'as fait pour moi. Jesus, you made it. Jesus. For Jésus, me. Tu l'as fait pour moi. Jesus, Seigneur, the Master, le Maître, you did it. Tu l'as fait. And I can assure you, je peux te rassurer, truly, certainement, Jesus did it. Christ l'a fait. So now these people, ces gens donc, to whom Jesus did something, à qui Christ a fait quelque chose, they went. Ils sont partis. Only one. Seulement un. Who came back. Un seul est revenu. And acknowledged. Et a reconnu. That Jesus. Que Christ. You did it. Tu l'as fait pour moi. He did it. Tu l'as fait. I think this is where I stopped last time. Je pense que c'est ici que je me suis arrêté la fois passée. Let me continue now. Continuons maintenant. So this guy, he came back to Jesus. Ce monsieur est donc revenu à Christ. Acknowledging. Reconnaissant. That Jesus, you did it for me. Que Christ, tu l'as fait pour Jesus, moi. Jesus, I was in a bad situation. Christ, j'étais dans une très mauvaise Jesus. Position. Christ. And then remember. Rappelez-vous donc. When he came back to Jesus. Quand il est revenu à Christ. What was his attitude? Quelle était son attitude? When you come back to thank God. Quand tu reviens pour dire merci à Dieu. What is your attitude? Quelle est ton attitude? That's why I told you that some people when they come and they acknowledge what God has done or what is happening into their lives, they have a certain attitude. C'est pour cela que je dis que certaines personnes quand ils reviennent reconnaître ce que Dieu a fait pour eux, ils ont une certaine attitude. And last time I was talking about someone who was stupid. Et la fois passée, je parlais de quelqu'un qui était stupide. I spoke about no that guy, that king was very stupid. J'ai parlé d'un roi qui était vraiment stupide. So when going back, my wife she said no. En rentrant, dear pastor. En rentrant à la maison, mon épouse a dit, cher pasteur. No, you can't call people stupid in front there, no. Tu ne peux pas appeler les gens ces termes-là devant les. That is not biblical. Ça, ce n'est pas biblique. So next time when you talk about that man, prochainement quand tu parles de cet homme-là, just call him foolish. Appelez-le seulement un fou. Because the Bible talks about being foolish. Parce que la Bible parle de la folie. So I'm sorry if I offended you by saying that you're stupid. Je m'excuse donc si je vous ai offensé. So the right word is being foolish. Utilisant les termes stupides, les termes qu'il faut c'est la folie. Being foolish. Être fou. So when you come back to Jesus, which attitude present yourself? Quand tu reviens à Christ, quelle attitude? Are you a foolish man? Tu y as la folie? Who could just stand there and start talking God? Ou qui peut juste se tenir là, commencer à parler de Dieu? No, whatever I did. Oh Christ, the strength that I acquired my things.
tout la, l'énergie que j'ai utilisée pour acquérir that night, mes biens. When the baby, when the child was sick. Cette nuit-là, quand mon enfant était malade. No, it's because I know a doctor. I called the doctor. C'est parce que j'ai appelé un docteur. Je l'ai appelé. Last time when I prayed, I took the transport. I was going. I was traveling. Et la fois passée, quand j'ai pris mon argent, j'ai payé les transports. It is because of my choice, my right choice that c'est I made. C'est à cause de mes choix, les choix que j'ai opérés no, dans la vie. No, when I am on the road driving. Quand je suis sur la route en train de conduire. No, it's because I'm a good driver. C'est parce que je suis un très that bon chauffeur. That's why I don't get myself involved in accidents. C'est pour cela que je ne connais jamais les accidents. Jesus, Christ, will say you are foolish. Il dira que tu es fou. What do you have? Qu'est-ce que tu as? That you didn't get, receive. Que tu n'as pas reçu. Whatever you have. Toute chose que tu as. It's God who gave it to you. C'est Dieu qui te l'a donné. Whatever you have. Tout ce que tu as. Whatever you have. Tout ce que tu es, God has given it to you. Dieu te l'a donné. So now, when you come back with the right attitude, donc quand tu reviens chez le Seigneur avec une bonne attitude, there's something that God will do for you. Il y a quelque chose que Dieu fera pour toi. Between these 10 people, 10 lepers, parmi ces 10 lépreux. The 9, they went and they never came back to Jesus. Les 9 sont partis et pour ne plus revenir. They never acknowledged that God intervened into their lives. Ils n'ont pas reconnu que Dieu est intervenu dans leur vie. But now, what will make a difference? Alors, ce qui va marquer la différence between these 9 people parmi, entre and ces the 9, one who came to worship and to praise God, et le seul qui est revenu adorer et reconnaître who Dieu, acknowledged that God has intervened into my life, le seul qui a reconnu que Dieu est intervenu I can dans just acknowledge vie, je peux juste reconnaître that God has been good to me. Je peux juste reconnaître que Dieu a été bon pour listen moi. To what can make the difference. Écoutez ceux qui peuvent marquer la différence. The one who came back. Le seul qui est revenu. Jesus. Jésus-Christ. Spoke to him. Il lui parla. What the 9 others have missed. Ce que les 9 autres ont raté. It's this. C'est ceci. Jesus said to this guy. Christ a dit à ce monsieur. Go. Vas-y. You are healed. Tu es guéri. Go. Vas-y. You are healed. Tu es guéri. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? You came to me. Tu es venu vers moi. You receive my healing. Ma guérison. Now there is something. Maintenant, il y a quelque chose that I'm giving to you que je te donne that will sustain you. Qui va te prendre en charge. Hallelujah. Amen. Because the 9 of the others, the head, they were healed. Parce que les 9 autres étaient bien guéris. But the one who came back, mais celui qui est revenu, Jesus, Jésus-Christ, sustained his healing. Le prise en charge dans sa guérison. Il a supporté sa guérison. Jesus. Jésus-Christ. Has given him. Il lui a donné. Something to stand on. Quelque chose sur quoi se porter. Sur quoi se tenir. In a way that wherever he goes. De telle manière que partout il ira. Whenever the Lord can change. Partout où la loi peut changer. There is something that sustains him. Il y a quelque chose sur laquelle il s'accroche. And what sustains him? Et qu'est-ce qui le soutient? It's the word of Jesus. C'est la parole de Christ. Hallelujah. Amen. The word of Jesus sustained him. La parole de Christ le soutient. And it reminds me. Et ça me rappelle donc of this guy. De ce monsieur. Jesus healed him. Christ l'a guéri. He said, "Take your bed and walk." Il lui dit, prends ton lit
But because it was on a day of Sabbath. Mais parce que c'était un jour du Pharisees, Sabbat. Our people who didn't believe. Les pharisiens et les scribes, les gens qui ne croyaient pas. They came to him and asked him, who told you to take to carry your bed? Ils sont venus lui poser la question, qui t'a dit de porter ton lit pendant les jours de sabbat? Gave you the authority, the authorization to carry your bed? Qui t'a donné l'autorisation de porter ton lit? Look. Regarde. What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? The man I met. L'homme que j'ai rencontré. He told me. Il m'a dit. So if I'm walking, si je marche, donc, I'm sustained. Je suis soutenu. By what he told me. Par ce qu'il m'a dit. It's not because you came with your load that I can't carry my bed during Sabbath. Ce n'est pas parce que vous êtes venu avec votre loi que je peux pas porter mon lit pendant le sabbat. Mais le maître told me. M'a dit. The master. Le maître said. A dit. I am healed. Je suis guéri. Even if you come back to me, si, même si vous revenez à moi, and told me, no, you didn't fulfill your quarantine period. Mm-mm. Et pour me dire que je n'ai pas accompli mes jours de quarantaine, I will tell you. Je vous dirai. The master, le maître, Jesus, Jésus Christ, he told me. Il m'a dit. I am healed. Je suis guéri. So no one personne can donc come ne peut revenir to disturb me or to distract me pour me distraire. Because the master has said so. Parce que le maître m'a dit. The word of God. La parole de Dieu. The word of the master Jesus. La parole du maître Jésus Christ. Will give you substance. Il va te donner une substance. To stand on. Sur laquelle tu peux te tenir. The word of the master. La parole du maître. Will give you strength. Va te donner la force. The word of the master. La parole du maître. Will give you authority. Va te donner l'autorité. The word of the master. La parole du maître. Will keep you. Va te porter. Va te maintenir. In a way that. D'une manière que whoever comes tout celui qui viendra and tell you something other than what Jesus has told you pour te dire quelque chose autre que ce que le maître t'a dit, it's not gonna affect you. Ça ne va pas t'affecter ou affecter ta vie. Alléluia. Amen. But if you didn't receive the word mais that si sustain you, tu n'as pas reçu la parole qui peut te soutenir. If you didn't receive the substance, si tu n'as pas reçu la substance, you will dry up. Tu vas sécher. Alléluia. Amen. You will dry up. Tu vas sécher. Because the substance, parce que la substance, is not there. N'est pas là. That's what the only person who came back to Jesus. C'est ce que le seul qui est revenu à Christ had received. Avait reçu. The substance. La substance. That could sustain him. Qui pouvait le soutenir ou bien le maintenir. Comes rain or sun or wind. Nothing. Le fleuve qu'il vente. Could come and ne pouvait shake him off. Le secouer. Amen. Because parce que the one who told me, celui qui m'a dit, the one who healed me, celui qui m'a guéri, he told me, il m'a dit, don't stop, don't just get at okay, I received the healing. Ne demeurez pas seulement au stade où vous dites j'ai reçu la guérison. Yes, you received the healing. Oui, tu as reçu la guérison. But what did he tell you? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? It's not the healing that will sustain you. Ce n'est pas la guérison qui va te soutenir. It's his word that will sustain c'est you. Sa parole qui va te soutenir. Amen. He
It's not because God has intervened into your life and you saw the miracle of God into your life. Ce n'est pas parce que Dieu est intervenu dans ta vie et tu as vu le miracle de Dieu dans you ta vie. You saw the intervention of God tu into your life. Tu as vu l'intervention de Dieu dans ta vie. That you are a full grown up person. You saw the miracles. You live in the miracles. Tu crois que tu es maintenant arrivé, tu as vu la manifestation des miracles. You might see miracles. You must see God intervention, but you lack something. Tu peux avoir vu le miracle ou bien l'intervention de Dieu, mais tu manques quelque chose. You lack the substance. Tu manques la substance. And that substance is the word that can sustain you. Et cette substance, c'est la parole qui peut te soutenir, te maintenir. Amen. Hallelujah. Amen. What should we be grateful to God? Pourquoi est-ce que nous devons être reconnaissants à Dieu? Colossiens, chapter 1. Chapitre 1. Let me read. Follow me. Don't read. Just follow me in my. Because I'm in chapter 1. And then I think if I have to read, we can read up until 11. Colossiens, chapitre 1. Si je peux lire, je peux lire jusqu'au verset 11. But I'm not going to read everything. Je ne vais pas tout lire. Let me as we say, a kangaroo, it's kangaroo, in lecture on kangaroo. Yes. A kangaroo, what? Reading. Kangaroo reading. Hallelujah. This is a translation. To the holy and faithful brothers and sisters in Christ that live in Colossae. Grace and peace from God our Father. In our prayers, we always thank God for you. I think dans notre prière, nous rendons toujours gloire à Dieu pour okay. vous. Verset 3. In my prayers, dans mes prières, I thank God for you. Je rends gloire à Dieu pour vous. I bless God for your life. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Are you someone for whom someone can be thankful for? Es-tu quelqu'un pour qui quelqu'un doit rendre gloire? I'm asking you a question. Maybe you don't need Je to answer. Je vous pose la question. Peut-être vous n'avez pas Just à répondre. Answer in your heart. Réponds juste dans ton cœur. Are you someone? Es-tu quelqu'un that someone can sit pour qui quelqu'un peut s'asseoir and say thank God et rendre gloire à Dieu for the life of my brother. Par exemple, pour la vie de mon frère. Thank God. Gloire au Seigneur for the life of my sister. Pour la vie de ma sœur. Thank God. Gloire au Seigneur for his life. Pour sa vie. Are you that kind of a person? Es-tu ce genre de personne là? This is the Apostle Paul. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit que je rends gloire au Seigneur. In my prayers, dans mes prières, I always thank God for you. J'ai toujours dit merci au Seigneur pour vous. God is the Father of our Lord Jesus Christ. Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus Christ. We thank God. Nous disons merci à Dieu. Because we have heard, I'm in verse 4. We have heard about the faith you have in Christ Jesus and the love you have for all the God's people. Nous disons merci au Seigneur parce que nous sommes informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. When we hear about your faith, quand nous entendons de votre foi, when you hear about your love for others, quand nous entendons sujet de votre amour pour les autres, thank God for est-ce that? Que nous pouvons rendre gloire can à Dieu? Can we thank God and say thank you, God? Pouvons-nous rendre gloire à Dieu? Dire gloire Pastor au Seigneur. For Pastor Patrice because he loves everybody. Pour Pasteur Patrice parce qu'il aime tout le monde. Can I say thank God? Est-ce que je peux dire for merci au Seigneur? For Brother Odi because he loves everybody. Pour Pasteur Timothée parce qu'il aime tout le monde. Can I thank God? Est-ce que je peux rendre for gloire Shadrach au Seigneur? For Shadrach because he loves everybody. Pour Frère Shadrach parce qu'il aime tout le monde. Can I thank God? Est-ce que je peux rendre gloire au Seigneur?
Yeah, maybe I can thank God from far. I know. Maybe I see and I conclude that you love everybody. Peut-être je peux rendre gloire au Seigneur de loin parce que je vois et je conclue que vous aimez tout le monde. But the person next to you. Mais la personne the qui person est that à vos côtés. With you, la personne qui vit avec every vous. Day, tout, chaque jour. Can he or can she thank God? Est-ce que la personne là peut rendre gloire au Seigneur pour votre amour? Can your children? Est-ce que vos enfants? Can your parents? Vos parents? Can your husband? Votre mari? Can your wife? Votre femme? Thank God. Est-ce qu'ils peuvent rendre gloire au Seigneur à votre sujet? To God, God, I say thank you. Dis par exemple, Seigneur, je te dis merci. Because my husband has a lot of love for others. Parce que mon mari a beaucoup d'amour pour les autres. I thank God for my wife because she loves people. Je dis merci au Seigneur parce que ma femme a un amour tranchant. Can they? Est-ce qu'ils peuvent le faire? May your children, when they look at you, they can say, "Oh, we thank God for our parents because they love God so much." Est-ce que vos enfants, quand ils vous regardent, peuvent-ils rendre gloire au Seigneur à cause de votre vie? When they look at you, quand ils vous regardent, can they thank God for your love, for the love that you share? Peuvent-ils rendre gloire au Seigneur pour l'amour, l'amour que vous partagez avec eux? It's good. Love you, my sister. But can I thank God? C'est différent avec les déclarations telles que non, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Est-ce que je peux rendre gloire au Seigneur pour ça? You know, thanking God. Vous savez, rendre gloire au Seigneur. Going to God. Going to God. C'est rendre à Dieu. And telling him, God, I thank you for my friend. Et lui dit que je te dis merci Seigneur pour mon ami. Ça c'est une prière très sincère. You are talking to your God and God knows everything. Parce que tu parles à ton Dieu et Dieu connaît toutes choses. Hallelujah. Amen. Maybe when you are in front of the guy or the sister or the brother. Peut-être quand vous êtes en face de la personne. We can talk. Pouvons parler. But when I turn my back, mais quand je tourne mon dos, I go to God. Je pars au Seigneur. Can I thank him for you? Est-ce que je peux lui dire merci pour toi? Can I thank him for your faithfulness? Est-ce que je peux lui rendre gloire pour ta fidélité? Can I thank him for your love? Est-ce que je peux lui dire merci pour ton amour? This is the Apostle Paul. Ça c'est l'apôtre Paul. He said, I thank God. In my prayers. Il dit, je rends gloire au Seigneur dans mes prières. I've heard. Parce que je suis informé. From someone who's very, very, very close to you. De la part de quelqu'un qui vous est très proche. And he came with this testimony. Il est venu avec ce témoignage. Saying that we can thank God for you guys. Disant que nous pouvons rendre gloire au Seigneur pour vous. Because you know God. Parce que vous connaissez you have Dieu. Faith in God. Vous avez foi en Dieu. Can I thank God for you? Peux-je rendre gloire au Seigneur pour vous? Can I say God thank you for my wife? She loves people. Est-ce que je peux rendre gloire au Seigneur pour ma femme? Thank parce qu'elle you l'aime. For my husband because he's a man who fears you. Merci Seigneur pour mon mari qui te craint. Not people from far. Pas les gens lointains. Can people close to you? Est-ce que les gens proches? Can they thank God for your life? Peuvent-ils rendre gloire au Seigneur pour vous, à votre sujet? Or when they go in God's presence. Ou bien quand ils partent dans la présence du Seigneur. Them they have to be cry. Là-bas ils vont se plaindre, porter plainte contre vous. Yeah, they went to accuse you. Ils partent vous accuser. Instead of thanking God. Au lieu de rendre gloire à Dieu. Yeah, we thank God. Oui, nous rendons gloire au Seigneur. The love that you have for all of God's people. Et votre charité pour tous les saints. You have faith in Christ and love God's people because of the hope you have. À cause de l'espérance que vous avez. I like this phrase. J'aime beaucoup cette. I'm in verse 5. Au verset 5. You know that the things you hope for are saved for you in heaven.
à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. You know, this version is not exactly that. Huh? I like this version. La version lecture. The things that you hope for. Les choses pour lesquelles vous avez de l'espérance. Are saved for you. Vous sont réservés dans les cieux. In heaven. Dans les cieux. So it means. Ça veut dire. In heaven. Dans les lieux célestes. You have a saving account. Vous avez un compte. D'épargne. Un compte d'épargne. Amen. Amen. You have a saving account in heaven. Vous avez une caisse d'épargne aux cieux. So that's why when you hope for going to heaven. C'est pour cela quand vous espérez aller au ciel. There is something you going and you going to meet there. Il y a quelque chose qui vous attend. You're not going to heaven just for nothing. Vous n'allez pas au ciel juste pour rien. I just want to insist here. Je veux juste insister un and peu I ici. Want to talk to you, church. Je veux vous parler, église. Us as children of God, Christians. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, we have hope. Nous avons l'espérance. Hallelujah. Amen. And remember, et rappelez-vous, there are three things. Il y a trois choses qui there's demeurent. Faith. Il y a la foi. There is love. Il y a l'amour. And there is hope. Il y a l'espérance. For from those three things, parmi ces trois, there is only one. Il y a une seule that will remain, qui demeurera, which is love, qui est l'amour. Faith and hope, la foi et l'espérance, will pass. Ça va passer. Will have an end. Ça aura une fin. Hallelujah. Amen. So at a certain point, à un certain point, donc, you will live a life without hoping. Vous vivrez une vie sans espérer. Because you are in the things, you are living the things that you were hoping for. Parce que vous serez en train de vivre les choses pour lesquelles Jesus vous avez porté l'espérance. Christ est revenu. And took you. Il vous a porté avec lui. You go and live with him. Et vous allez vivre Hallelujah. Avec lui. Amen. That the hope for the church. C'est ça l'espérance pour l'église. That's why we are children of God. C'est pour cela que nous sommes we enfants not de Dieu. Children of God just for nothing. Nous ne sommes pas enfants de Dieu we juste pour we are children of God because we hope one day we will meet the Lord. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous portons l'espérance qu'un jour nous croiserons Dieu. To take us away. Il viendra and physiquement then pour nous porter him. Avec lui. We will live with him. Nous vivrons avec lui. For the eternity. Pour l'éternité. Hallelujah. Amen. So there are certain things. Il y a donc certaines choses that are saved for us. Qui sont réservées pour nous. Hallelujah. Amen. And then how do you save things? Comment donc réservez-vous ces choses? Listen to what God says. Écoutons ce que Dieu dit. Jesus said this. Christ a dit. Revelation 3. Apocalypse chapitre 3. Is it 3? Verse 11. Jesus said, I'm coming soon. 3 verset 11. Continue the way you are now. Then no person will take away your crown, in other version, will take away your reward. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. The reward that we will have. La récompense is the things que that nous we are aurons. Saving in heaven. Ce sont les choses qui nous sont réservées au ciel. Amen. Amen. The things that are saved in heaven. Les choses qui sont and gardées when Jesus pour nous comes au ciel. Back. Et quand Christ revient. Another verse. Dans un autre verset. Revelation 22. Apocalypse 22. I think, verse 12. Verset 12. It says, listen. Voici. I'm coming soon. Je viens bientôt. I will bring reward with me. Et ma rétribution est avec moi. Hallelujah. Amen. I'm coming soon. Je reviens bientôt. I'm coming with rewards. Avec la rétribution avec moi. Hallelujah. Amen. So I'm not coming empty-handed. Donc je ne reviens pas à main vide. I'm coming with rewards. Je viens avec la rétribution. What is the reward? Quelle est la rétribution? So the reward is the things that you are saving in heaven now. La rétribution, ce sont les choses qui sont épargnées Jesus dans le ciel. Jesus is coming with them. Christ revient avec. I will repay.
pour rendre à chacun each person for the things he has done. Selon ce qu'est son œuvre. Hallelujah. Amen. So, the way I do things here in on earth. Donc la façon dont je fais les choses ici sur terre determine what I'm saving in heaven. Détermine ce qui est épargné pour moi dans les cieux. Hallelujah. Amen. So the way I'm living my life on earth. La façon dont je vis ma vie ici sur terre. Determine the things that I'm saving. Détermine les choses que j'épargne so dans I'm les cieux. So I'm depositing into my saving account in heaven. Donc je suis en train d'apporter dans ma caisse d'épargne au ciel. That's why we see that in 1 Corinthians. C'est pour cela que vous verrez dans 1 Corinthiens. I think chapter 3. Je pense chapitre 3. The Bible 3, says. La Bible dit that Jesus is the foundation. Que Christ est la fondation. Hallelujah. Amen. He is the foundation. You can't put another foundation. Vous ne pouvez pas apporter une autre fondation. It's only Jesus who is the foundation. C'est Christ seul so qui est now, la fondation. So now when we build. Alors quand nous allons bâtir. We are builders. Nous sommes what les bâtisseurs. We build with, we must be careful. C'est avec quoi nous bâtissons, nous devons vraiment tirer attention. The material that we using to build our lives. Le matériel avec lequel nous bâtissons or to nos vies. Build the church. Ou bien bâtir l'église. The teachings that we giving. Les choses que nous donnons. We must be careful with. Nous devons tirer attention. Why? Avec. Parce que because the Bible says. La Bible dit. Some are building with gold. Certains bâtissent avec l'or. Some are building with silver. D'autres avec l'argent. Some are building with precious stone. D'autres bâtissent avec des pierres there précieuses. There are some also who build with hay. Il y en a d'autres qui bâtissent avec la paille. La paille. Or the straw, la chaume. Hallelujah. Amen. Be careful with the way you are building. Tirez attention de la manière que because vous bâtissez. Everything parce que toute chose will pass by the fire. Passera au feu. Hallelujah. Amen. When the fire comes, quand le feu viendra, it will reveal ça va révéler what kind of material you are building le with. Matériel avec lequel vous bâtissez. Gold, l'or, silver, les precious stone, et les pierres précieuses, they will pass the test of fire. Ça va tenir devant but l'épreuve a, de feu. Mais and la chose et la paille, they will get burned. Ça va brûler. So what will pass the fire? Ce qui va traverser le feu will be your reward. Sera ta récompense. Hallelujah. Amen. So we accumulating our bank account, our saving account in heaven. Nous sommes en train d'accumuler dans notre caisse d'épargne. But the way you do things on earth. Par la manière dont nous faisons les choses. The way you build, the way you come to church, the way you la manière que the vous church, bâtissez, la manière que vous venez à l'église et the, vous considérez the way même you build l'église. Your brother, la manière que vous bâtissez vos and frères. With soeurs, what do you build your brother? Quel matériel utilisez-vous? Are you building your brother with gold? Est-ce que vous les bâtissez avec le or you build l'or with hay? Ou bien avec la paille? Be careful. Tirez donc attention of the way de la manière que vous bâtissez. Yeah, so those things are saved from you in heaven. Ces choses-là sont donc épargnées pour vous dans that's les cieux. That's why you are living. C'est pour cela having hope que vous vivez portant l'espérance. So now the apostle was talking to people who had faith. L'apôtre parlait aux gens qui avaient la foi, who had love, qui avaient la charité. Now listen. Maintenant écoutez. Verse 9. Verset 9. Since the day we heard these things about you, we have continued praying for you. We pray these things for you. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. We were grateful because you are people who love each other. Nous sommes reconnaissants vers Dieu pour les gens qui s'aiment entre eux. We are grateful because you are spiritual brothers. Nous les reconnaissons et vous êtes spirituels. So now listen. Maintenant écoutez. What am I praying you for? I'm praying for you. Pourquoi est-ce que je prie pour vous? That you will know fully the things that God wants.
So, que vous soyez remplis de la connaissance Paul wants you de sa volonté. Paul veut que with love, the faith that you have, avec la foi que vous avez, and the love that you have, et la charité que vous avez, I want you now je voudrais maintenant fully, to have knowledge. Que vous ayez la connaissance. Hallelujah. Amen. You have, I want you to be full of knowledge. Que vous soyez maintenant rempli de la connaissance. Not only knowledge. Pas seulement la connaissance. He said that with your knowledge, you will also have great wisdom and understanding in spiritual things. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Hallelujah. Amen. You have faith and love. Vous avez la foi et l'amour. Add knowledge. Ajoutez-y la connaissance. Know things of God. Il faut connaître les know choses de the Dieu. Will of God. Connaissez la volonté so de when Dieu. You know the will of God, quand vous connaissez la volonté it's de not Dieu, that. Ce n'est pas la fin. It's not all that. Ce n'est pas tout. The knowledge of the will of God, la connaissance de la volonté you de Dieu. Must have wisdom and understanding. Vous devez y ajouter la sagesse, la compréhension. You don't just have a knowledge of God, you know the things of God. Vous n'allez pas seulement avoir la connaissance des choses de Dieu. Have wisdom. Il faut avoir la sagesse and understanding. Et l'intelligence spirituelle. That's you will use these things to live in a way that brings honor to the Lord and pleases him in every way. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Hallelujah. Amen. You have those things. Vous avez tout ça. Now you walk. Maintenant vous marchez. You have your ways. Vous avez votre manière. Of manière. Walking. Votre manière you de marcher. You living your life. Votre manière de vivre votre you, vie. You are living your life into your businesses. Vous vivez votre vie dans vos affaires. You are living your lives in into your job, into your vous marriage, vivez into, votre vie dans into votre your travail, studies. Dans votre so in mariage, ways, dans vos études, dans différentes Hallelujah. Façons. Amen. We have the knowledge, the understanding of things of God. Nous avons la connaissance et in my way. La compréhension des choses de Dieu. Hallelujah. Notre voix. I might be very spiritual. Je peux donc être très spirituel. But without the knowledge, the understanding and the wisdom, I might fail in life. Mais sans la connaissance et la sagesse et la compréhension spirituelle, so in those je peux échouer things, dans la you vie. Must walk with them. Avec toutes ces choses donc so nous devons marcher. Paul could say I praise God. C'est pour cela Paul pouvait dire que je bénis le Seigneur I'm pour thankful vous. To God for your life. Je suis reconnaissant envers Dieu pour votre vie. I praise God. Je bénis le Seigneur. What do you praise God for? Pourquoi est-ce que vous bénissez le Seigneur? What do you thank God for? Pourquoi est-ce que vous rendez grâce à Dieu? How do you say when you pray for the brother and your sister? Qu'est-ce que vous dites quand vous priez pour votre frère ou sœur? When you pray for your husband. Quand vous priez pour votre mari. When you pray for your wife. Ou bien votre épouse. When you pray for your children. Quand vous priez pour vos enfants. What do you tell God? Qu'est-ce que vous dites au Seigneur? Do you acknowledge? Est-ce que vous reconnaissez? When you acknowledge. Quand vous reconnaissez. I say it. Je dis, God will give you substance. Dieu va te donner la substance. When you acknowledge, quand vous reconnaissez, God will give you substance. Dieu vous donnera la substance. Can you bow down? Pouvons-nous baisser nos têtes en prière? And I want you to pray. Et je voudrais que nous puissions prier. I want you to start acknowledging God. Je voudrais que tu commences à reconnaître Dieu. I would like you to start acknowledging God. Reconnaître Dieu. For the life of this church. Pour la vie de cette église. For the life of your children. Pour la vie de vos enfants. For the faith of your husband. Pour la foi de votre époux. Or your wife. Votre épouse.
Just acknowledge God. Reconnais juste le Seigneur. Because if you want a transformation and a substance, parce que si vous avez besoin de la transformation et de la substance, in your marriage, in your life, dans votre mariage, dans votre vie, start by acknowledging. Commencez par rendre grâce. Start by being grateful to God. Commencez à être reconnaissant. For the person, your husband, your wife, your parents, and even your church, be grateful to God for this church. Pour vos parents, votre famille et aussi pour votre église. If you don't acknowledge what God is doing in this church, si vous n'êtes pas reconnaissant de ce que Dieu fait dans cette église, it will be hard for you to see the substance of God. Ça vous sera difficile de voir la substance de Dieu. I would like you to start talking to God. Je voudrais que vous commenciez à parler au Seigneur. I don't want to give you words. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez lui dire. Just talk to God. Commencez juste à parler au Just Seigneur. Just start thanking Him. Commencez par lui reconnaître. Just lui be rendre grateful grâce. To God. Soyez reconnaissant vers lui. Just be grateful to God. Soyez reconnaissant vers lui. I want specially. Je veux, voudrais spécialement. That you can be grateful to God for the life of your brothers and sisters. Que tu sois reconnaissant à Dieu pour la vie de tes frères et sœurs. Because if you're not grateful for them, parce que si tu n'es pas reconnaissant à leur sujet, it will be difficult. Ça sera difficile. To see the manifestation of the word of God in their lives. De voir la manifestation de So I would like you to start thanking God. De la vie de Dieu, la. And then while you are thanking God, remember also. Et pendant que vous reconnaissez, vous rendrez Remember gloire au that Seigneur. You are in a bad situation somewhere, somehow. Rappelez-vous, souvenez-vous que vous étiez dans une très mauvaise posture. You were in a bad, in a bad corner, in a bad situation. You didn't know how you could get out of it. Situation où vous n'étiez pas au courant de la manière que vous pouviez y sortir. But when you looked back, you saw now Jesus has intervened. Mais quand vous regardez, vous réalisez que le Seigneur est intervenu. Maybe you are failing. You are failing. Everything. Peut-être que vous étiez en train d'échouer you à toutes choses. Vous avez échoué une fois, twice. Une deuxième fois, you failed thrice. Une troisième fois. But at some point, Jesus decided to stop the failure. Mais à un certain moment, Christ décida de rompre avec l'échec dans votre vie. I would like you to say thank you, Jesus. Je voudrais que vous puissiez dire merci. Thank you, Master. Merci, oh, thank you, Jesus, oh my Lord. Merci, Seigneur, notre. Thank you, Jesus, oh my Savior. Merci, Jésus, mon thank Sauveur. You for the life of faith that I'm heavy. Thank you for the salvation upon my family. Thank you for the salvation upon my children. Thank you for the salvation of my wife. Thank you for the salvation of my husband. Thank you for the salvation of my brother, the person that I saw, the person that I knew, the person that I knew that didn't know you. But today when I look at him, I say thank you to you. Thank God for the salvation that is entering into your family. Even for those who don't know you, between within your family, I would like you to thank God and to say, God, thank you for your salvation that you are manifesting. I will see salvation. There are many people around you who don't know the Lord Jesus, who has never met him, who don't know who is he, qui ne connaissent pas qui il est. I just want you to thank God. Je voudrais juste que tu puisses to thank God, to let God Dieu. Know that God, I thank you, I acknowledge, I'm grateful. Faites-le lui savoir que vous êtes reconnaissant pour that la foi qu'il vous a you've manifested your life Il upon se my soit family. Manifesté dans votre vie. Your grace has been sufficient into my life. Pour la grâce qui a été suffisante your grace pour ta has vie. Been sufficient upon my life. Sa grâce a été suffisante. Your grace has been sufficient upon my children's life. Your grace has been sufficient upon me, upon among my children, among my friends, among my family members. Your grace has been sufficient. You've manifested your life. I thank you, Lord. I thank you, Jesus. Thank you for your grace. You have been faithful. Thank you for your faithfulness in my life. Oh, my life, you have been so. Yes, so brethren, Jesus has been faithful to you.
Jesus has been good to you. Jesus has been wonderful to you. Just acknowledge his faithfulness. Just acknowledge his faithfulness. Manifestons notre reconnaissance envers lui. Just acknowledge his faithfulness. Reconnaissons sa fidélité. He has never forsaken you. Il ne t'a jamais abandonné. He never abandoned you. Il ne t'a jamais délaissé. You were in a bad shape. Tu étais dans une mauvaise posture. You were in a bad situation. Tu étais dans une très mauvaise situation. But Jesus intervened. Mais le Seigneur est intervenu. Jesus delivered you. Mais le Seigneur t'a délivré. Jesus saved you. Le Seigneur t'a sauvé. Jesus stretched his hand. Upon your life. Le Seigneur a tendu ta main vers toi. Manifested your glory. Et il a manifesté sa gloire. Jesus has been good to you. Christ a été bon. Jesus has been good to you. Il a été bon pour toi. He has been wonderful to you. Il a été merveilleux pour toi. He has been fantastic to you. He has been fantastic into your life. Acknowledge him. Acknowledge him. Acknowledge him. Acknowledge him this morning. Acknowledge his love upon your church. Acknowledge his love upon your family. Acknowledge his love upon your life. He has been good. He has been faithful. He has been wonderful. He has been good to us. He has been good to us. He has been wonderful. When you lost everything, when you lacked everything, Jesus intervened. Jesus raised up upon your life and he manifested his glory, his love for you, for your life. Jesus has been good to you. Oh, I would like you to acknowledge. Take your time, acknowledge. Say thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Prends ton temps et reconnais. Dis-lui merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. We praise and we glorify your name. Nous te bénissons et nous glorifions ton nom. We praise and we acknowledge you. Nous te louons et we nous te reconnaissons. We praise and we acknowledge that you are God. Nous reconnaissons que you tu are es God Dieu. In our church. Tu es Dieu dans notre you église. Are God in our families. Tu es Dieu dans notre in famille. The families in this church. Dans toutes les familles God, de cette you église. Have been good. Tu as été God, bon. God, you have been faithful. Tu as été fidèle. God, you have been awesome. Tu as été merveilleux. Oh, Mama Robo Shindeleba. Jesus, I praise and acknowledge your name. I praise and I acknowledge your wonderful power. You've been good. Jesus, thank you. Hallelujah. So while we are quiet in the presence of God. Pendant que nous gardons silence dans la présence de Dieu. I want you to be very quiet. Je voudrais que tu sois vraiment calme. To be very silent. Que tu gardes silence. And I want God to speak to your heart. Et je voudrais que le Seigneur parle à ton cœur. I want God to give you a word. Je voudrais que le Seigneur te donne une parole. That will sustain you. Qui va te soutenir, te maintenir dans la vie. Just keep quiet, silence, even. As we are praying, pendant qu'on priait, as the pastor is leading us into praying, pendant to que be, to le be, pasteur to be grateful, nous portait dans la prière de reconnaissance, the Holy Spirit is showing me, le Saint-Esprit me montre. Let me say it in French. Je vois un pavement. Vous voyez quand dans un pavement qui a été lavé où la pluie est tombée. Alléluia. I saw a pavement. You Alleluia. Know when the pavement has been cleaned by maybe pavement, a rain. Un pavement, je ne veux pas dire inondé d'eau, mais il y avait de l'eau comme si la pluie avait tombé. Don't want to say which was flooded, but there was some water looking like rain. Il y avait les gouttes de dernière pluie. Alléluia. It was like the drops of the last rain. Et le pavement était mouillé.
And the pavement was still wet. Ce me semblait propre. Alléluia. And it was looking very clean. C'était un pavement de couleur sombre mais propre. It was a dark colored pavement, but very clean. As we seek for the Holy Spirit to give us a word to sustain us. Pendant que nous cherchons que le Saint-Esprit nous donne une parole pour nous maintenir. I would like you to seize this word. Je voudrais que tu puisses saisir cette this parole. Revelation, cette révélation. And let it be yours in the name of the Lord Jesus Christ. Et que ça soit tienne dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que la pluie de sa grâce. May the rain of his grace. La guérison. The rain of his healing, de la provision, of provision, de la bénédiction, of blessings, puisse essuyer tout sur ton passage, shall come and wipe everything on your passage. Amen. J'aimerais que dès maintenant, même si tu n'as pas encore vu, I would like that as from que this tu moment, continues even if you are yet reconnaissant to see, envers le Seigneur, that you carry on in the spirit pour of tout ce qu'il a déjà accompli towards the Lord, dans ta vie, for all he has accomplished dans la in vie de your life, ta famille, in your family, dans la vie de l'Église, in the life of this parce church, que notre Dieu ne ment pas. Because our God Alleluia. Never lies. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Merci for the word that will sustain me. Pour la parole qui va me maintenir, me soutenir. You say there's a rain of grace. Tu dis qu'il y a une pluie de ta grâce. A rain of grace. Une pluie de ta grâce. May this word sustain us. May this word sustain your church. Thank you for your faithfulness. Thank you, Jesus. You've been faithful. You spoke to us. Sustain us now. Let it be a substance. A substance. A substance that will sustain us. In Jesus' name. Oh mama robo shinde le conta rababai kente le koshi bebe rakanta la mama robo ikente la conta rashile ba Jesus marakashinde le baba roshi meme kanta rekonta la mai kente lo baba ikenta rabashi be conta. Mama robo shindeleba ye konta rabai kentelema. Oh ye mama robo shindeleba ay kentara. Hallelujah mai kentereba ro shinde. Don't be distracted. Holy mai kenta, Holy Spirit. Ye konta raba le shireba. Ra shindeleba. Keremako shilema Romalai kenta Olai kente shire Jehovah Jireh. The rain of your grace. Because we have been knowledgeable. Because we acknowledge your grace. That everything that we have comes from you. We acknowledge Jesus. That nothing that we have in did not come. Everything that we possess, the life that we have in, comes from you. That's why we worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah. Rikoshinde. Hallelujah. Jesus Christ. Ola mama ikere bashima. Oh, ikente shile. Thank you, Jesus. We praise your name. Thank you, Jesus. In the same attitude, with the same attitude of worship. Dans cette même attitude de prière, I'd like you to take up your offering. J'aimerais que vous puissiez prendre vos offrandes. With the same attitude of worship.
avec cette même attitude d'adoration de prière. Offering to God, it's a, nous allons offrir au Seigneur. It's a service that we render to God. Offrir it's au a Seigneur, worship c'est that you render to God. Un service que nous rendrons au Seigneur. Offering to God our money, our belongings, our resources. Offrir au Seigneur notre argent, nos ressources. It's telling God, God, whatever I have. C'est dire à Dieu, Seigneur, tout ce que j'ai. I did receive, I did get it from you. Je reçus de toi. Nothing from me. Rien de moi, mais it's by tout your strength, de toi. C'est par ta force. By your grace. Par la grâce. By your power. Par la puissance. By your love. Et par ton amour. That I have the, I'm having the money that I'm, I can count. Que j'ai l'argent que j'ai. That I can have the children that I'm having. Que j'ai les enfants que j'ai. That I can have a house that I'm having. Que j'ai la maison que j'ai. That I have roof over my head. It's because of your love que and j'ai your mercy. Cette maison sur ma tête, c'est à cause, Seigneur, Père Dieu, de grâce. Whatever I have. Tout ce que j'ai. It's because you are the source of my income. C'est parce que Seigneur, toi tu es la source de mes revenus. That's why I come this morning to worship and to voilà praise pourquoi your name. Je viens dans ta présence ce matin. Take your offering. Prends ton offrande. Thank you Jesus because this time. Merci Seigneur pour ce temps. You're giving us an opportunity to worship. Parce que tu nous donnes cette opportunité de worshiping t'adorer. You with our offering. Cette opportunité de t'adorer avec our nos offrandes. Resources. Avec notre ressource. In Jesus name receive au nom them. De Jésus, reçois cela. Receive it. Reçois ces offrandes, receive Seigneur. It. Reçois ces offrandes, Seigneur. As a sacrifice. Comme un sacrifice. That comes up to you. Qui vient vers toi. We're giving you back what belongs to you. Et nous te redonnons ce que toi tu nous as donné. And thank you because you've made us being stewards. Merci Seigneur parce que toi tu nous as donné cette opportunité de garder cela. We are just keeping what you gave us. Et nous sommes là, Seigneur, juste pour garder ce que toi tu nous as donné. Of that, et dans notre reconnaissance de cela, we're giving you our offering now. Nous te donnons cette offrande receive ce matin. Them in Jesus. Reçois cette offrande ce matin au nom the de Jésus. We go through, merci going Seigneur. Offer to God. Nous allons offrir au Seigneur.